Je vais pas changer de siège. Hein? Tu veux pas changer de siège? Pourquoi? Bah si tu veux. Je sais pas, comme d'habitude, tu es toujours en train de fantasmer sur celui-là. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Putain, l'organisation ici, c'est un peu compliqué. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, et c'est un peu bas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec une personne de renommée, nationale. Tu peux mondiale. Non, pas mauvais. De renommée, juste c'est un pote que je connais depuis longtemps. Et en fait, on a décidé de faire une vidéo, comme on se connaît depuis 10 ans. On a décidé de faire une vidéo, bon, Squeezie l'a fait, malheureusement, je l'avais noté, mais il l'a fait récemment. Lequel de nous deux, et à chaque fois, le truc, donc on devra, je vais dire par exemple, lequel de nous deux est le plus, je sais pas, n'importe quoi. Et tu dois désigner si c'est toi ou moi le pire. D'accord. Ok, donc déjà, je vais commencer pour savoir, pour mettre les choses direct à plat, lequel de nous deux est le plus alcoolique. Je pense qu'on est égal quand même. Non, on se suit. Ah, ben, c'est moi alors. T'es le pire. Qui c'est qui tisse plus? C'est vrai, c'est moi, c'est moi. C'est toi qui tise le plus. Ouais. Oh, mais tu ne suis pas loin derrière quand même. T'as encore de l'expérience à acquérir. Ouais, mais moi je suis mort déjà. Hein, quand je tise, je tiens pas moi. C'est vrai. Je suis petite nature sur l'alcool. Oh. Là, ça va être drôle. Mais là, ça va être le moment où, genre, moi je devais me planquer à ce moment-là. Combien as-tu eu de copines? Officieuses ou officielles? Ouais, bah c'est ça le problème. C'est est-ce qu'on compte les officieusement ou officiellement? Ouais, franchement, non, c'est chaud, non. Non, t'en as eu combien? Officiellement. Officieusement, on compte pas les plans cul et trucs comme ça. Parce que moi, de toute façon, ça reste sur. Qu'on restait sur les doigts d'une main. 3. Toi, officiellement, non, t'es 3 plus. Non. Bah, si. Bah. Oui, 4, pardon. 4, tu ne comptes pas, non. Je sais pas quel des deux est plus ça bâtard là-dessus, en fait. Lequel des deux est le plus manipulateur? Lequel des deux arrive à. Enfin, lequel de nous deux arrive à bluffer les gens plus facilement? Je sais que moi, je t'ai bluffé une fois, j'arrive à être bon. J'arrive à être bon. Mais t'es pas mal. Je sais pas. On s'est jamais retrouvé à se bluffer tous les deux, tu vois. Y a une fois où tu m'as bluffé, mais après, je sais pas si moi j'ai été. Est-ce que tu t'es déjà foutu de ma gueule? En fait, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu t'es déjà foutu de ma gueule à tel point que j'ai pas. C'est sûr que t'as dû me faire croire. Mais je crois que t'es pas mauvais, toi non plus là-dessus. Toi, t'es manipulateur avec les gonzesses, toi. Bah, c'est différent. Ouais, ouais, différent. Tu les comprends bien que. Qui est le plus accro au sexe? Non. Arrête, non. Arrête, non. Arrête, non. Arrête. Oui, je suis. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire. Oui. Jour de la semaine. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors, oui, alors, ah. Là, y'a plus non, rien. Là, y'a plus rien à dire. J'ai honte. Attends, y'a mieux derrière. Attends, y a mieux. Qui a eu les expériences les plus cheloues? Je m'avoue coupable. Coupable. Ah, là j'avoue que les expériences les plus cheloues que t'as eues. Attends, vas-y. Coupable. Une petite. Une petite? Une petite. Vraiment chelou, vraiment chelou. Bah, moi la plus chelou que j'ai eue, c'était dans la piscine, mais rien d'exceptionnel quoi. C'est ma expérience la plus chelou que j'ai eue. La plus chelou? Ouais. Si, non, y a eu pire. Je crois que l'expérience la plus chelou, c'est quand je me suis retrouvé en vacances cet été. Avec les deux gars là, et qui m'avaient raconté leur fameux ébat sexuel. Qu'il y en avait un qui avait baisé un travelot et l'autre qui avait voulu faire ça avec une chèvre. Ça c'était hardcore. Non mais ça c'était ça. Non, je sais pas si c'est une expérience ou une situation que j'aurais bien aimé pas vivre. La plus particulière, je pense, c'était devant le palais de justice. Oh putain. Ouais. T'as fait ça devant le palais de justice? Ouais. Je crois. Hein. Interdiction. Après, j'ai plaidé coupable, je l'ai. Oh putain, mais t'as plus que plaidé coupable là, t'as carrément mis la main à la justice, tapé le. Ah, oh putain, du marteau. Ouais, t'as tapé du marteau. Ah, bon. Le plus sensible. Je pense que. Ah bah, c'est moi, c'est sûr, c'est moi. Moi, je suis. Attends, juste une question, est-ce que t'as déjà chialé devant un film? Oui. C'était quoi? Oui, mais c'est pas forcément des films connus, donc c'est le film par exemple La couleur des sentiments ou Le cercle des poètes disparus, tu vois, c'est pas des films que tu connais forcément, tu vois. Moi, excuse-moi, il y a quand même des GES, c'est le siècle dernier ces films. Je sais pas, moi, les films, mais il y a des films de merde, je pleure moi à chaque fois devant, genre, truc de merde là où t'as le chien qui meurt, Marley, moi par exemple, je sais que c'est le film, j'ai chialé. Le chien il meurt à la fin aussi, oui, c'est chiant. Vrai. Tout le film, tu vois, le chien il meurt à la fin. Le plus chauffard, celui qui a eu plus de. Bah, qui conduit comme un taré, ça c'est toi, ça c'est toi. Alors, on parle de niveau d'exercice. Alors, je crois que j'ai eu un seul PV. J'ai eu un seul PV de toute ma vie, bon. Un seul? Le radar qu'on a eu, oui, c'est vrai. C'est la seule fois que j'ai eu. Après, disons que j'ai eu le permis plus tôt que toi, mais je l'ai perdu plus vite que toi. T'as récupéré le permis voiture, mais pas le permis moto. C'est vrai. Moi, j'ai perdu. Non, mais moi, j'ai. Accident, t'en as eu quoi? T'en as eu un? T'en as eu deux. Bah, j'en ai eu deux. T'as eu avec la moto où t'as fait le soleil. Ouais. Et l'autre, t'en as eu un autre? Des petits accrochages, mais c'est juste des tamponades. Mais un des accidents que j'ai eu, c'est la moto. Ouais, c'est du grand que t'es. Moi, je crois que. Non, j'ai jamais d'accident. J'ai rayé la voiture quoi, oui, c'est tout. Enfin, c'est pas des accidents. J'ai rayé la voiture à côté. Tu tamponnes. Ouais. Non, j'ai rayé, c'était moi tout seul, genre. Ah ouais, j'ai rayé tout seul comme un gros. Qui est le plus canard?
Franchement, alors là par contre. Au début, je pense que c'est moi, et après. J'ai suivi. T'as suivi, mais tu. Mais j'ai eu mauvais prof aussi. Bon, arrête, tu m'as donné le. Tu m'as donné le mauvais truc. J'espère que c'est un test et que vous n'avez pas vraiment oublié. Alors ça, c'est un téléphone. Ouais, ton téléphone qui s'est. J'ai pas dit ok, ok, Google. Pourquoi il t'appelle toi? Je sais pas. En ce moment, c'est toi. Non, mais ça a toujours été moi en ce moment. Bah, oui, ça fait un an que je suis un canard compétition. Voilà, c'est bon. Oui. Tout le monde le sait que je suis un canard, maintenant c'est bon, je suis affiché à vie. T'as été canard aussi, hein. Je te rappelle que pendant 3 mois on a plus de Noël de toi avec Lise. C'est vrai. Avec Lise, hein. C'est vrai. Mais bon, après je me suis rattrapé quand même. Oui, mais. Je me suis bien rattrapé et maintenant c'est qui le plus canard des deux? Normal, t'es tout seul pour l'instant. Bah oui, c'est normal. Ouais, mais quand tu seras canard, tu seras canard aussi. Tu es sûr que tu lui feras le tir? Non, je pense que la discussion qu'on nous a, nous avons eue là sur les 3 mois où on s'est pas parlé. Je pense que ça m'a servi de leçon, tu vois. Non mais moi je suis pas, moi je suis canard, mais ça m'empêche pas de voir, de vous voir, oui, de voir les potes. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je suis en mais train de. Mais moi je suis pas canard à ce point-là, mais je suis quand même canard parce que genre, je suis quand même assez. Bon, vas-y. Non mais les repas, je fais des repas, non, je me suis mis à la cuisine là cette année, ouais. C'est. Les petits lignes aux chandelles et tout. Non, pas de lignes aux chandelles, j'ai pas sorti de chandelier encore. C'est vrai. Pas encore. Et le violoncelle? Je sais pas où jouer, ça va être dur, mais là. Si, j'ai déjà sorti une. Ah, la petite nappe à carreaux là, hein. Non, le non. Petit panier repas. Hein? Hein? C'est qui le plus gros des canards? Ah, tu m'as foutu. Allez. Bâtard. Qui est le plus crado entre nous deux? Alors, si on déduit que toi et moi, on est censé être crado, je pense que toi, t'es tendance à plus te doucher que moi. Ouais. Mais je pense que, enfin, crado. Mais on peut pas vraiment définir crado. Il va y avoir des jours où, genre, le week-end, bah, tu vas, au lieu de te doucher tous les jours, tu vas sauter un jour, tu vois. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, c'était jamais arrivé. Ah, ça m'est jamais arrivé de sauter un jour. Bah, je pense que c'est moi, là. Ah, ça c'est jamais... moi, ça m'est arrivé de sauter un jour. Ouais, mais sauter un jour, ça va encore. Mais moi, ça m'est jamais arrivé de sauter un jour. Par contre, genre, tout ce qui est ropé et trucs comme ça, par contre, ça, j'ai aucune pudeur. Alors moi dans le train, un truc comme ça, quand tu lâches le petit P là, tu vois tout le monde qui te regarde, qui commence à se barrer. Toi t'es assez fier de ta connerie. Toi t'es dans ton odeur, t'es. J'adore quand ça fermente. Et genre t'as tous les gens qui viennent. Alors le pire c'est ça, c'est. T'es assis sur un truc de 4, t'es tout seul, t'as toutes les places autour qui sont libres, la personne va s'asseoir à côté de toi. Tu dis putain mais casse les couilles, je cherche un bon petit P. Elle se casse à l'autre bout, t'es tranquille, tu finis ta pied, tu finis pioncer tranquillement. Non mais c'est ça, le matin, c'est souvent le matin, je parle le matin, et il y a toujours des connards qui viennent s'asseoir à côté de moi alors qu'il y a des places partout dans le train. Mais les gens ils viennent s'asseoir à côté de moi. Alors, parce que ils ont peur, ils veulent pas être seuls. Ouais bah je m'en fous, reste que seul, ils vont pas te casser les couilles. Qui est la plus grande gueule? C'est toi. C'est moi. Ah là, enfin, c'est, ça c'est là, moi, c'est ça c'est moi. Ouais, genre moi je suis géniable. J'ai jamais la langue dans ma poche. Genre c'est sûr à 100% que ça m'est déjà. Mais ça m'est déjà arrivé de même de trop l'ouvrir quoi. Enfin des fois il faudrait même que je ferme ma gueule que trop l'ouvrir. Parce que des fois ça passe moyen auprès de certaines personnes. En vrai, combien de fois c'est pas passé de ma grande gueule? Combien. Allez, tiens, on va reciter dans le groupe avant. Qui pouvait pas me blairer parce que j'avais une grande gueule? Oui c'est vrai. J'avais quelques personnes. Ouais, j'avais quelques personnes qui pouvaient pas me blairer juste parce que j'avais une grande gueule. Non mais aussi, si tu t'imposes pas un minimum, enfin je sais pas. Ouais mais des fois c'est un peu trop. C'est pour ça qu'on dit que t'es une grande gueule. Bah, je m'en bats les couilles. Eux ils me cassaient les couilles déjà, alors c'est pour raison de plus. Qui est le plus cultivé? C'est toi, rien que déjà cette semaine, ça a été prouvé que c'était toi. Ah parce que je vous explique, on a un jeu cette semaine, en fait ça fait une semaine qu'on se balance des mots mais genre inconnus et qu'on essaie de devenir en gros la définition. Sauf que moi à chaque fois qu'il me balance des mots, je ne les connais jamais. Genre la dernière fois c'était quoi le mot là avec le truc dans la bouche là? Gargarisé. Or ce mot là je n'ai jamais entendu ce mot là de ma vie. Y'a tout le monde qui s'est foutu de ma gueule là-dessus. Tu connais pas gargarisé? Et le truc là avec se vider de son sang, je sais plus quoi là, ça. Exsang. Gada. C'est un cada. C'est vrai que c'est des mots qui sont oubliés. Un cada. Un cada c'est un sac de voyage. J'ai dit un sac de voyage, c'est pas un cada. Bah quand t'as la flemme de dire un sac de voyage, tu dis cada. Je sais pas, ah ouais d'accord. Et ensuite le dernier, ça c'est pas mal. Ça c'était pour moi, c'était pour la touche finale. Qui est le plus narcissique? Moi je pense que c'est toi. Oh bah oui. Ça. T'es pas mal non plus. Hein. Oui. T'es pas mal non plus à te kiffer. À te kiffer quand même. T'es le premier à dire ouais, je me kiffe. J'ai des trucs comme ça. Moi je suis le premier à dire ok, je fais des trucs bien, je me fais kiffer. Des trucs tu comme lances ça. Des fleurs quoi. Bon attends, au bout d'un moment quand. C'est vrai. Je me balance des fleurs, les chaussettes elles commencent à serrer et quand je passe plus la porte, je commence à poser des questions. Y'a rien. Moi j'ai plus rien à dire. Le plus narcissique c'est moi, j'avoue. Je sais très bien que ce que je vaux. Et de toute façon, je l'ai prouvé à bien te reprendre. Oui. C'est très bien ce que je vois. Que ce soit à n'importe quel niveau. À tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai toujours satisfaire mes partenaires. Ça va. Oui, bah ouais. Ça va. Non. Les chevilles, ça enfle le bateau. Non, ça enfle le bateau, regarde, ça va. Attends, je te nettoie les couilles. Pourquoi? Il y a un petit peu de poussière d'ego. Tellement. Par contre, la blague là, je cautionne. Le mec, il a sorti une vieille bête de merde. C'était.
péter. Mais je suis pas aussi rigolo que toi, tu vois. J'ai du mal à lancer des vannes en plein milieu comme ça. Normal, t'es trop vieux déjà. Oui, ça se fait vieux. Il y a l'âge aussi qui joue. Ouais, l'âge, quand tu commences à me sortir des blagues, tu mets pas le chocolat dans la marmotte. Quand tu mets pas la marmotte met pas le chocolat dans le papier d'alu. Là, ça commence à vieux. Alors, j'ai pas compris le lien entre la marmotte et le chocolat dans le papier. Mais c'est l'expression, non? C'est la marmotte met pas le chocolat dans le papier d'alu. C'est pas la marmotte qui met chocolat dans le papier d'alu. C'est pas ça l'expression. C'est pas, tu veux pas mettre la charrue avant les bœufs? Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à son Facebook, qu'il en a pas, à Twitter, qu'il en a pas, Instagram, qu'il en a pas. Il a rien pour le contacter, il faut juste aller à l'hôpital. Vous tomberez sur lui, ou barrez-vous. Parce que si vous êtes dans son service, c'est pas normal. T'es en réa, c'est ça? Oui. La réanimation, tu peux. C'est pas bon si t'es là-bas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver pour une prochaine vidéo. Vous savez comment dire, la recette comme patati. Et sur ce, je vous dis au revoir tous. Je préfère être tout seul. Justement.